dan zijn we terug voor de man van de match na deze toch wel moeilijke wedstrijd tegen Roeselare. Naast mij zit Xavier Louis-Sint voor de, ik weet niet, derde of vierde keer dit seizoen, denk ik. Xavier, zit hij, admettons que c'était pas un match facile cet après-midi? Non, bah, c'était un derby. Hein. C'était un derby. On a bien démarré les 10 premières minutes. Puis après, on a eu beaucoup de mal dans la possession de balles. Comme d'habitude, on était bien en place au niveau de l'organisation et défensivement, mais on n'avait pas notre jeu habituel, on n'arrivait pas à se trouver, beaucoup trop de déchets dans les passes. Même notre force et coup de pied arrêté, c'était pas très bien tiré aujourd'hui, donc c'était un peu difficile. Mais bon, on a toujours, comme j'ai dit, on s'appuie sur notre organisation. Et voilà, puis en deuxième mi-temps, on a poussé, et voilà, on a réussi à marquer sur la fin. Je pense que Rouleurs dans le match, ils n'ont pas trop existé, il me semble, au niveau offensif. Et ils sont battus, ils avaient mis un gros bloc en face, parce que c'était très dur de jouer. Mais voilà, l'essentiel est la victoire. C'est ça, c'est essentiel aussi. On dit souvent qu'il faut deux équipes qui veulent jouer du foot pour avoir un bon match. Ouais, mais Rouleurs, s'ils sortaient sur une mauvaise série, donc je pense qu'en venant ici, ils connaissaient un peu notre force à domicile. Donc ils ont joué, je pense, avec leurs moyens. Ils ont décidé de jouer très défensif. Mais il y a 5 minutes près. Ils ont failli réussir leur coup. Là, on a réussi à marquer. Voilà. Donc, tu marques aujourd'hui ton 7e but. C'est pas mal pour un défenseur. Bah ouais, c'est très bien même, mais bah, j'ai un peu de réussite cette année. Donc, bon, bah. Donc l'année prochaine, on a un attaquant en plus alors. Non. Je suis défenseur déjà. Puis si on peut marquer de temps en temps, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour tout le monde. Voilà. Oui. Et un but décisif, donc ça aussi c'était intéressant. Ah okay. Oui, c'est sûr. Oui, okay. C'est sûr que c'est un but important, parce qu'il ramène 3 points. Donc, C'est ça. Ok, voilà. Vous connaissez l'histoire. Vous gagnez le bon de 50 euros om te gaan eten in het restaurant Charles Lindbergh. Voilà, Xavier. Merci. Le troisième, quatrième? Troisième. Troisième, très bien. En dan de winnaar van de wedstrijdsman van de match. Dus de quizvraag van vandaag was welke ploeg deze week in de Champions League een pak slaag heeft gekregen van Bayern München. En dat was FC Basel 7-0, als ik het goed voor heb. Of 7-1, 7-0. Blijft er... Het speelt nu eigenlijk geen rol. De winnaar, Xavier, zal iemand belonen met een nieuwe waardebon. Xavier, à vous, le choix. Dank u wel. De winnaar van vandaag, die een waardebon van 50 euro om voor een maaltijd in de Charles Lindbergh, is Steve de Korte uit de Prins Rozenlaan. Wel bekend, Steve, je mag langskomen op het secretariaat en de waardebon komen ophalen. Ik denk dat we de man van de match kunnen afsluiten en hopen dat we nog veel punten kunnen pakken en zo de eindronde zeker kunnen meenemen. Dank u wel. Voilà. Merci, Sarah.